Entourée de leurs proches et de nombreux fans, Laetitia Hallyday et ses filles ont rendu un tendre hommage à Johnny, à l'occasion des 3 ans de sa mort. Le 5 décembre 2020, la veuve a organisé une veillée anniversaire sur la tombe du rocker, au cimetière marin de Lorient, sur l'île de Saint-Barthélemy. Une soirée riche en émotions pour laquelle elle a pu compter sur le soutien de son nouveau compagnon, Jalil Lespère. Après un défilé de motards, l'hommage a débuté en musique autour de la tombe de Johnny, illuminée de bougies et magnifiquement fleurie pour l'occasion. Au milieu de Jade et Joy, 16 et 12 ans, Laetitia Hallyday s'est longuement recueillie au son des chansons de son homme. Discrètement, le comédien et réalisateur Jalil Lespère était assis juste derrière elle, prêt à lui tenir la main dès que le besoin s'en faisait sentir. Jade et Joy ont quant à elles pu compter sur la présence de plusieurs amis. Sur Instagram, la veuve de 45 ans a partagé un message en légende d'une courte vidéo personnelle montrant un instant de complicité avec un Johnny taquin. 3 ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité. Il nous manque plus que tout et aujourd'hui n'est-ce pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui. Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu'ils ne seront jamais assez forts pour exprimer cette douleur encore forte de son absence. Ce soir il faut que nous regardions le ciel, il y aura une étoile qui brillera plus que les autres. Il n'est pas loin, il veille, il nous protège. Hashtag je t'aime.